Nous devons stopper la glorification de la violence dans notre société. Cela inclut ces jeux vidéo atroces et sinistres qui sont désormais partout. Putain, mais là, ça commence à bien faire, je me vénère! Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des loupes-morts. Regarde, regarde, je t'ai la mécompasse, fils de pute, regarde, regarde, regarde! Oh putain, t'es dans le camp américain, Stan? Non, je suis avec les Japonais. Les Moporg étant le nom barbare qui désigne les jeux de rôle. Vas-y, cours, ta mère, je vais t'attraper, t'inquiète pas. T'es chiant, hein. Ça s'écrit MMMPORPG. Mais voilà, mais c'était sûr, en fait. C'était sûr. Play the game.
Bonsoir à tous, enfin bonjour plutôt, ça dépend. Vous allez regarder la vidéo. J'espère que tout va bien. Il y a fait un petit moment qu'on n'avait pas remis les mains sur justement Lies of Spy. Aujourd'hui, on y retourne. Par la demande de la communauté. Hein. Tout le monde voulait me voir se faire casser les reins sur Lies of Spy. Alors, le problème, c'est que. Vu que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas touché, je pense qu'il va falloir que je remette bien comment tout se passe, comment l'esquive se passe, etc. Parce que là, j'avoue que j'ai zappé pas mal de choses. Donc, dans l'absolu, on va laisser essayer ça tout de suite. Donc ouais, j'étais avec ma masse électrique. Qui est pas mal, mais que j'ai pas trouvé mieux pour l'instant. Donc ça c'est toujours pour... Ok. Ça c'est pour la rep. Maintenant, faut que je vois un truc. Ok, c'est toujours dernière seconde. Histoire de voir si on est bon. Ok. Donc ça le fait... Ça, par contre, ça s'esquive pas. Et le L2, c'est... Allez, bon, je pense qu'on est pas mal pour pouvoir potentiellement essayer de démarrer. On ne devrait pas faire quelque chose de trop compliqué. Ça me paraît bien. Bon, ça me permet de courir chaque supplémentaire. Bon. Là, ça c'est quoi déjà? Ok. Ça c'est la vie. Ça je m'en rappelle. Ok. Bon, je pense que on n'est pas trop mal pour tenter potentiellement de repartir. Allez, let's go, si mes souvenirs sont bons, c'est par là que ça se passe, par le Stargazer. Allez, bah, c'est là que j'en suis en fait, c'est ça, chapitre 4. Voilà, même plus je m'en rappelais, ça fait très longtemps, hein, donc il y a des chances que je me fasse, mais alors bousiller la gueule de façon assez violente. Je pense que je vais me faire piétiner. Donc, voilà. Hein. Allez, je pense que vous pouvez préparer les clips, parce qu'à mon avis, il va y avoir de quoi faire. Ok. Alors ça, par contre, je me rappelle que j'avais vidé ici. Et que je ne savais pas trop ce à quoi ça allait m'attendre derrière. Ok, mon endurance, elle est là. Enquêter. Et chanter les louanges car un nouveau saint est arrivé. Moi, Saint Andréus. Qu'est-ce que c'est que ça? Enquêter. Utiliser un fragment de météorite pour réveiller un spectre. Pourquoi pas? Ah, oui, d'accord, ok. Oui, c'est... D'accord, bah, c'est bien. Cache, au moins, ça va mettre dans le bain. Limite, j'aurais dû rajouter un compteur de mort, puisqu'a priori, on est directement sur une zone de boss, donc tout va bien. Je vais bien, tout va bien.
Ah bah oui, c'est l'Ouroboros qu'on a vu à l'étage. Ah non, même pas. Qu'est-ce que c'est ce truc dégueulasse? C'est hyper stylé quand même. C'est ça que j'aime dans Lies of Peace, que c'est vraiment très beau quoi. Ah. C'est quoi ce truc dégueulasse? Ok, pas de problème. Ouah, tu vas te détendre, tu vas te détendre. Ouah. Putain, vas-y. Cette âme est pétée du fion, vraiment. Ah, ça sent le deuxième round. Ça sent le deuxième round, mais en version violente. Ok, c'était que le début. Et merde. Bon. On a vu les deux phases. C'est plutôt pas mal. Maintenant, on va essayer de faire quelque chose. Ok. Une chose que j'ai tendance à ne pas à oublier un peu trop. Hop.
Allez, on y retourne. On y retourne et on va pas essayer de, on va essayer de pas crever comme un gros con. De pas trop dépenser au début. Non, 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 non! Putain, si! Putain! J'ai raté mon occasion. J'ai du mal à me faire le fait que ce soit tellement grand qu'il me prenne toute la place et que j'ai du mal à me concentrer dessus, en fait. Vraiment. C'est stupide, la façon dont je crève. C'est stupide. C'est littéralement stupide. Bon, après, j'avoue que une reprise directe sur boss, c'est un peu compliqué, quoi. Ah ouais, c'est vrai qu'il faut que je fasse gaffe à la durabilité de l'arme aussi. J'ai plus de vie, j'ai plus rien, je suis cuit. Hein. Je suis cuit. Oui, oui.
Qu'est-ce que c'est que ce délire là? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bad? Bah oui, clairement, on utilise le Stargazer, oui. Alors, forcément, on va aller jeter un coup d'œil, voir si on peut... à l'hôtel de Kraft. Si on peut faire un hub, quelque chose. Sauvegarder quand on voulait, hein. Bah ouais, c'est ça. Hop, allez, utilisez le Stargazer. On y va se téléporter. L'hôtel de l'archevêque. Bah ouais, je vais explorer cet endroit. Ouais, de toute façon, j'ai pas trop le choix si je veux avancer. Bah allez, c'est parti. Face à quoi est-ce que je vais, j'en sais rien, mais la seule chose que je sais, c'est que je vais me faire casser le fion. Il n'y a pas de discrétion, de toute façon on est une marionnette, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de la discrétion? Oh! Notre petit ascenseur, c'est le seul truc propre ici. Le pire, c'est que je sais même plus où est-ce qu'on est en fait. Je crois qu'on est dans l'usine. Ouais, j'avoue que tout est dans un état quand même assez délabré. Qu'est-ce que c'est que ça? La dernière fois que je suis allé en extérieur, ça s'est pas forcément bien passé. J'ai eu un mec que j'appréciais pas trop en face. Ouais, j'ai pas l'air d'avoir trop bougé. Sentier du pèlerin. Allez, viens me voir.
toi qui étais là-haut. Ok. Dis-moi où ça bouge. Once, Krat was just a small town on the coast of little importance. Before Elysian Boulevard was built, this place literally was all there was of Krat. But when some in the city prospered, they left the old town behind. Through isolation and neglect, Krat's first incarnation became nothing but dangerous alleys and desperate slums. On the bright side, I guess, the whole city of Krat's pretty much like that now. The old town caught up with the new. It's true what they say. A receding tide sinks all boats. Ok, je vais pouvoir enquêter. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un truc qu'il faut vraiment pas que j'oublie, et pourtant... Et pourtant... ouais, on va utiliser le Stargazer, hein, on sait jamais. Pas trop où je vais, c'est vrai que putain, dans ce genre de jeu c'est ouf hein. Dans autant dans l'autre je parlais tranquille, là autant j'ai un petit peu de mal hein, à gérer les deux hein. Pierre de lune. Deux chemins. En fait, non, il n'y a qu'un chemin. Ok. Non, il y a bien deux chemins. Il y a un très gros truc là-bas. Et ça, ça me plaît moyen. Je te vois. Bon là il y a un gros truc. Ouais, je suis pas allé de main morte, je sais, mais bon, dans l'absolu,
Je sais pas, je le sentais pas. En même temps, dans ce genre de jeu, je sens pas grand chose. Dans ce genre de jeu, j'ai peur tous les 2 mètres. Forcément. Bon, ça fouette, hein. Ça fouette fort, ça fouette fort. Je sais pas où je vais exactement, mais ça semble pas bon. Putain, mais il y a trop de chemin là. Désolé, je leur par moment, tu m'as... Ouais, j'ai tué un boss, ouais, 2 tries. 2 tries, en plus je m'étais arrêté pile sur un boss. C'est pas le meilleur moyen de reprendre. Putain, je sais pas du tout où je vais, les gars. Je suis paumé total. Putain, j'ai raté le... Ça m'a en confiance pour le live. Ouais, mais pas trop non plus, tu vois. C'est pas bon, tu vois, d'être trop confiant dans ce genre de jeu, là. C'est quand tu commences à prendre un peu la confiance que le jeu te rappelle, hey, tu crois pas me la faire, tu vois. Tu vois, là, déjà, tu vois, un là. Un là. Sûrement un autre qui doit pop ailleurs. Viens me voir, Doudou. J'avais pas vu le titre, hein, j'adore. Tu m'étonnes. Alors, je vais regarder encore une fois. Ah, je suis désolé, mais... Ces petits machins, ça a l'air important, ça m'apporte je sais plus quoi.
Putain, il va vraiment falloir que je retrouve le papillon. Ça paraît con dit comme ça, hein, mais... Après, j'avoue que... Salade d'armes, depuis que je l'ai trouvé, je la lâche pas. Oh putain, toi je t'aime pas. Voilà, tu vois, ça met en confiance. Bah, t'as vu l'idée ? La confiance, tu te rappelles vite que... Hey, hey, hey. J'aime pas, parce que là, ça peut pop à tout moment, de tous les endroits. Parce que t'es trop en confiance. J'ai plus de vie. Ça pue du huc. Wow, c'est une infestation. Il y en a deux partout. Il y en a deux partout. Le problème, c'est que je sais pas du tout de quel côté partir. Ce que je vais faire, c'est que je vais repartir au Stargazer. Parce que, ouais, j'ai les chocottes, j'ai pas envie de perdre. Bêtement. Les deux cas. Allez. On va reset ça. Je vais essayer l'autre chemin. On sait jamais. C'est ça en fait qui est compliqué. C'est que là, il y a deux chemins et je sais pas du tout par lequel passer, quoi. C'est ça là qui casse les pieds, quoi, concrètement. Tape vite en plus cette merde. Je le sais, je sais pas pourquoi je m'obstine à vouloir mettre un grand tatane. Toi, t'es toujours là-haut, ok, pas de problème. Allez, viens me voir, Shay.
Je te vois. Une belle parade qu'il a désarmé, c'est pas beau ça? C'est qui le patron? Allez, tombe-moi sur la tronche. Le bâtard. Là-bas, pas besoin d'y aller. Là, je sais même pas pourquoi je suis venu. Enfin, dans tous les cas, hop. C'est moche ça quand même. C'est très très moche. Voilà. Une lance. Donc une nouvelle petite arme. Équipement. À quoi ressemble la lance? Ça c'était pour le plaisir. Par contre, je vais aller voir à quoi ressemble la lance. Désolé, parce que vu qu'il n'y a pas de pause dans le jeu, évidemment, ce genre de jeu, s'il y avait une pause, ce serait trop facile. Hein. Voilà. Donc, je vais au Stargazer et je jette un coup d'œil rapidement à la lance que j'ai eue. Hop. Là, je sais que je suis en zone safe, donc je peux aller jeter un coup d'œil légèrement lourd. Ah, mais j'ai la clé anglaise. Il paraît que c'est une bonne arme, ça. Ah. Mm-hmm. Mobilité en B et je passe en technique D. À étudier pour le coup. À étudier. Mais peut-être que... Si je fais une modification dessus et que je passe... Ah, quoique. Si je garde... Oh. Et on passe à gros gourdin, là, c'est plus pareil. Par contre, ouais, forcément. À étudier, franchement, à étudier. Parce que je sais pas du tout et je pense que ça peut être pas mal. Deux secondes, parce que j'ai reçu un SMS. Je suis con. Hop.
Ok. Alors. Non, pas fort. En fait, la suite, c'est vraiment là où j'étais, quoi. J'ai envie d'aller voir à l'hôtel, voir si je peux faire quelque chose avec. Et comment est-ce qu'elle cogne? Comment est-ce qu'elle cogne la clé? Parce que elle m'a l'air vraiment très très bonne. Et rien que le fait de taper avec une clé anglaise, je trouve ça bon délire. Ouais. Bon, je vais réfléchir à tout ça. J'ai un petit souci, je dois décoller du coup. Malheureusement, ça me casse les pieds, mais j'ai pas le choix. Donc voilà. Donc tout va bien, nos sous-sol, mais juste je décroche. Donc les gars, on se dit à la semaine prochaine. Je vous tiens au courant sur mon Discord pour ce qu'il en est. Et voilà, je vous fais la baguette et je vous dis à la semaine prochaine. Des bisous.